Yes Arnaud, comment on fait des pas arrêtés en S2000? Yes. Oh le bruit! Oh le bruit! Oh merde! Oh impressionnant! Oh le bruit! C'est bon ça! Voilà, aujourd'hui en compagnie d'une S2000 Honda, accompagné de mon ami Arnaud qui va vous présenter sa voiture. Franchement, je suis super content. Abonnez-vous, partagez. Il y a le lien de son Instagram en bas. Et franchement, aujourd'hui, il fait trop beau. On est au mois de mars à Toulouse. J'ai de la chance de monter dans une S2000. Donc, vous allez regarder un peu ça. Alors, Arnaud, voilà, tu peux nous parler un peu de ta voiture? Ouais, c'est une S2000. Un des gros piliers de la marque Honda avec la Honda NSX. Yes. 9000 tours, ça veut tout dire. Une voiture qui prend vachement dans les tours et qui procure une bonne sensation de conduite. Quoi. Ouais, j'aime bien le compteur voilà. Là. J'aime trop le compteur. C'est quoi? C'est une boîte? C'est une boîte 6. 6 ouais. Rapports, on le voit. Une boîte 6 rapports, ouais. Ouais. Donc, une boîte très très courte. Ouais. C'est pas une voiture qui est faite pour rouler très très vite. C'est une voiture entre la 3 et la 4, c'est magique quoi. Ça suffit. Ouais. Et en plus c'est cabriolet, franchement c'est la classe. Ouais, c'est le gros plaisir de cette voiture. Elle a une gueule d'amour cette voiture. Ouais. Après je vais la filmer un peu de l'extérieur, mais elle est magnifique. La seule Honda cabriolet quoi, vrai cabriolet quoi. Voilà. Elle est top celle-là. Donc on peut démarrer la voiture. Yes, c'est un petit bouton là. Ouais. En fait on tourne la clé. Ouais. En fait c'est un peu pensé... bêtement quoi, en fait faut juste tourner la clé et appuyer ensuite sur le bouton. Par contre on peut pas l'éteindre avec le bouton, faut l'éteindre avec la clé. Okay. C'est... les gens peuvent penser que c'est un start and stop mais en fait c'est juste un bouton factice. Ouais. C'est super propre et tout. Voilà. De quelle année elle est celle-là? Elle est de 2000. 2000. C'est une des premières phases, sortie en 90, de 99 à 2009. Okay. Voilà la production. Et c'est une phase 1. Les suspensions bien raides quand même, on sent que c'est un châssis bien sportif. Ah sympa la petite Subaru là-bas. Et en plus on savoure le bruit de l'échappement en cabriolet, c'est trop bien. Dites-moi ça, c'est pas royal. Cabriolet, on entend tout le bruit. Avec l'échappement. Les tourismes magiques. Ah ouais? Ouais. Regarde-moi ça. Écoute-moi ça. Yes. Là, t'es à combien? 3-4 000 tours? Ouais, 3-4 000. Allez, Arnaud, montre-nous le moteur un peu. Qu'est-ce que t'as fait? Donc, tu me disais, elle a 106 000 km. 108 000, pardon, t'as fait 1000 bornes avec. Ouais, 1000 déjà, km. 500 pour aller la chercher et 500 depuis que je suis sur Toulouse. Ok, qu'est-ce que t'as touché au moteur un peu? Ben moi au moteur pas grand chose puisque je l'ai acheté déjà, elle avait l'admission carbone et celle-là là ouais. L'admission tout ça et la barre anti-rapprochement Schmitt. Ça y est, t'es d'origine hein.
Non. Ben, d'origine, c'est été rajouté par l'ancien propriétaire. Par l'ancien propriétaire, c'est pas d'origine. D'accord. Voilà, et moi sur le véhicule, bon ben j'ai rajouté les combinés fil tétane, des cales en 15 mm et des jantes de phase 2 pour améliorer la tenue de route. Ok. Sur les phases 1, en fait, il y a des jantes en 16 pouces et c'est un peu... C'est un peu juste. Ouais, c'est un peu juste niveau de tenue de route, quoi. Elle est belle, voilà. Cette pièce aussi, la barre de renfort comme ça. Elle est super jolie. Et le moteur, il est propre, par contre. Voilà, le moteur... Tu l'as nettoyé avant de venir ou quoi? Du tout. Il est super propre. Ça fait plaisir hein, de voir ça. Ouais. Bon, c'est cool, Arnaud. Bon, voilà les copains, super tour. Merci, Arnaud. Abonnez-vous, partagez. Franchement, elle sent trop bon. J'aime trop l'odeur. Ah mais c'est rare quand même, c'est rare comme voiture, donc j'espère que vous avez apprécié. Et c'est un passionné Arnaud, donc super, super. Super moment au mois de mars, ça fait plaisir. C'est la classe, je la veux moi cette voiture. Voilà les copains, véhicule hyper propre, tout le carnet d'entretien. Franchement, elle est parfaite, regardez. La petite carte Honda, aucun défaut d'ajustement carrosserie, elle est super bien. Super bien entretenu, franchement félicitations Arnaud. Je crois qu'il a une belle pépite là. Si vous voulez l'acheter, non, elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre, donc il a une belle pépite, il va la garder.